What's up les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des véhicules sur mon deuxième écran. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur mon deuxième écran. Voilà, un petit Asus assez stylé. Alors d'abord, il vous faudra votre serveur. Alors mon serveur est déjà ici. Voilà. Je l'ai rename, j'ai refait toute la base de données et tout. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais t'as rajouté des trucs. Ouais. J'ai fait un live pour ça, oui j'ai rajouté, je vous avoue, voilà, j'ai rajouté quelques trucs. ce que je vais faire sera un lien de la description, je vous mettrai tout mon serveur. Ou peut-être pas tout, tout, parce que je me suis vraiment fait chier. Je travaille depuis dessus 18 heures. je n'ai pas lâché un seul bout. Sauf pour aller bien bouffer bien sûr. Alors j'ai dit ce que j'ai fait, j'ai rajouté la police. J'ai rajouté le job, j'ai rajouté tout ce qu'il faut. Et là, je vous montrerai comment faire des cars. Ouais. Alors, je vais faire tout ça sur mon bureau, bien sûr. Ça, je vais juste le monter ici. Alors, il vous faudra vous déjà vous créer un dossier qui s'appellera ou car mode ou un truc comme ça. Moi, je vais l'appeler car mode. Une fois que vous avez rentré là-dedans, attendez, parce que moi, en fait, ça s'affiche sur mon premier écran. Vous allez ici créer un document texte qui va s'appeler. Comme ça, bon, ça sera dans le lien de la description. Non, c'est pas sûr. Dans le lien de la description. Ça s'applique comme ça. Allez, je vais le rename. Vous aurez un petit truc qui se rappelle comme ça. Voilà. Vous aurez un petit truc qui s'appelle comme ça. Vous allez double-cliquer sur un document texte. Vous allez faire fichier, enregistrer sous tous les fichiers. Ici, hop, vous allez faire ça et vous allez faire. Ouais. Il n'y a pas plus simple pour l'instant. Clac. Voilà. C'est faire compliqué. Là, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle Stream. Stream, voilà. Il n'y a pas plus Stream ou Streamer, je sais plus ce que c'est. Ouais, comme les streamers et tout ce qui s'en suit, je regarde. Stream. Une fois que vous avez fait ça, je vais le caler. Zoom, hop, voilà. Vous avez vu ce que je regarde. Je regarde Mademoiselle Chang. Alors. voilà. Alors là, je vais aller sur un site qui s'appelle GTA 5 Mod. Aller récupérer bien sûr des mods, parce que voilà le but de la vidéo c'est ça quoi, c'est d'aller récupérer des mods. Alors hop 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 hop, hop. Attends, j'essaie parce qu'avec toutes les screens ça peut dur. Voilà, on y est. Alors pour mettre un véhicule c'est très facile. voilà, vous allez télécharger un véhicule. Bon, moi je vais pas m'attarder sur un véhicule, alors je prends la BMW M760. Voilà. Hop, la BMW M760 et voilà, vous l'avez ici. Vous allez télécharger. Voilà. Petit mode OKLM. Hop là. Petite ellipse. Voilà. Donc voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez l'ouvrir. Et vous avez. Vous avez votre M760 ici, et là vous avez juste à créer un dossier. Alors vous n'avez pas les glisser là-dessus, vous allez créer un dossier qui va s'appeler Ornacle 2 ou Oracle 2. Je regardais, vous regardez bien, clac clac, voilà, Oracle 2, et vous allez glisser rien que les fichiers là-dedans. Voilà, et voilà, vous avez votre premier véhicule modé et vous allez juste à télécharger au taquet. Voilà. Moi, je vous mettrai tous mes véhicules dans le lien de la description que je vais aller uploader maintenant. Voilà, alors là, je vais recréer tout un fichier avec tout plein de nouveaux véhicules parce qu'il y a des véhicules là-dedans que je n'aime pas. Voilà, c'est ma petite passion. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oui, il y en a un qui vont dire refais-le une deuxième fois. Allez, c'est parti, c'est bien parce que c'est toi. Alors, j'espère que la petite bannière vous aura plu, le logo arrive. Voilà, on va mettre la petite Ferrari. On peut le voir, petite Ferrari bien assez bien modélisée, je trouve. J'espère que je suis pas tombé sur une vidéo. Ah, c'est voilà, je tombe sur une vidéo. Hop, vous allez télécharger. Voilà, vous attendre. Donc, ça peut être du chinois, de l'anglais, tout ce que vous voulez. Vous pouvez télécharger autant de véhicules que vous voulez. Hein. Franchement, c'est à votre dose, à votre give, tout ce que vous voulez. Voilà.
Là, vous allez faire ça. Bon, on s'en fout que ça va à moitié chinois. Là, vous allez marquer ici. C'est ce qui est marqué là. Shita, je la refais une deuxième fois. Pour que vous ayez compris. Hop, Shita, clac. Vous allez faire entrer. Et hop. Voilà. Une fois que vous l'avez mis, c'est bon. Alors, vous voulez que je refasse une troisième fois? Allez, je fais l'Audi A4 et après on termine là. Hein, et voilà. Je vais télécharger l'Audi A4. Je télécharge l'Audi A4. Alors pour ceux qui cherchent un développeur, veuillez me contacter par la barre d'information, dans la barre de description. Pas dans la barre de description, qu'est-ce que je dis? Dans les commentaires. Voilà. Alors là aussi, nous on veut pas deux add-ons, nous on veut juste remplacer. Voilà. Hop là, vous allez créer un truc qui va s'appeler exemplaire. Ça s'appelle comme ça la voiture? Est-ce que je l'ai bien écrit? Ouais. Voilà, et là vous avez juste à glisser ces deux fichiers là-dedans. Voilà. Alors, si je finis ce petit truc de mode de mon car. Modable de mon car mode modable, je vous le mettrai dans le lien de la description, mais d'abord je vous mets celui-là et après je vous ferai un global rendu de tout mon serveur, tout ce que j'ai fait. Oui, je sais, j'ai pas fait trop beaucoup de vidéos sur comment créer, comment mettre, comment ci, comment ça. J'attends vraiment une grosse exclusivité pour tout vous sortir, tout ce que j'ai fait. Bon, je vais vous sortir bien sûr une vidéo. Alors, oui, vous allez dire, ouais, mais t'as sorti deux vidéos, pas deux vidéos. Ouais, je sais, c'était juste pour rattraper mon retard. Voilà, c'est tout. Sinon, on est toujours dans le truc une vidéo par jour. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis ciao, ciao tout le monde. Bye bye.